Shalom, peuple de Dieu, moi c'est Josué Bolloy. Je crois que la paix du Seigneur soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Enfin, finalement, le pasteur Lifoko du ciel sort de son silence pour répondre à vos préoccupations, à vos murmures, à vos complaintes, à vos plaintes, n'est-ce pas, concernant la déclaration qu'il a dit que Jésus-Christ a pu terminer sa course dans la personne appelée William Branham. Alors, cette déclaration a pu susciter, vraiment, a fait que le câble soit pété. Alors, il a pu répondre à cela avec mon confrère Cédric Lukusa Branham et une interview qui est réalisée par Yannick Malé. Ils m'ont pu donner cette autorisation de balancer cela dans notre YouTube channel congodialogue.com. Merci encore une fois à vous, pasteur Lifoko du ciel, pour votre disponibilité, pour l'explication, pour l'éclaircissement de cette déclaration. Alors, restez branchés, connectés. J'aimerais balancer cette interview réalisée par Yannick Malé. Et j'ai dit merci encore une fois à la coordinatrice Francine Game de la Belgique qui coordonne ces sites de bonne manière. YouTube, c'est Congo Dialogue. Facebook, c'est Josué Bolloy. La conversation continue. Voilà. Merci à toi et restez branchés. Bye. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission La plus grande question. La plus grande question, une émission du forum Le Gène du Message. À la présentation, c'est donc moi, votre frère Cédric Lukusa Branham. Alors, aujourd'hui dans cette émission, nous recevons pour vous un homme de Dieu, le pasteur Lifoko du Ciel. C'est avec lui que nous allons essayer de répondre à cette plus grande question de savoir est-ce que pasteur Lifoko du Ciel est devenu un adorateur de William Marion Branham. Alors, c'est avec lui que nous allons essayer... Et aujourd'hui, Jésus a terminé sa course en entrant dans un homme appelé William Marion Branham. C'est la forme physique. Donnez-moi un amen pour que je prêche. Fais la paix à mère Samoulonga. Oya boy talié. Au même manque. De ce que le frère Lifoko a dit, il est interdit dans cette église de chanter ces chansons. Quelqu'un ne peut pas se lever et dire que Jésus-Christ a fini son voyage et s'est incarné dans Branham. Il n'y a rien de stupide que j'ai écouté toute ma vie. Dieu c'est Jésus-Christ. God is Jesus Christ. Branham c'est un grand prophète. Branham is a great prophet. Mais il est Branham. But he's still Branham. Mais notre Dieu, our God, c'est Jésus-Christ. It's Jesus Christ. Oh, Dieu a fini sa course dans un corps. God finishes running in the body. Physique. Physical appelé body. William Marion Branham. That William Branham. C'est faux. That's false. Archi faux. It's a comment ils adorent et nous on n'adore pas. C'est malheureux que de voir les adorateurs vous attaquent et un frère qui tire une conclusion sur une citation dont moi et lui nous sommes censés croire pour dire que non, à cause de cela, il faut qu'on adore William Branham. Non, non. Vous n'adorez pas William Branham. Mais attends, attends. Moi quand j'ai cherché le Saint-Esprit, j'étais petit, j'avais 17 ans, je suis allé vers la foire à Kinshasa. J'ai pleuré, il y a une eau là-bas qu'on appelle l'eau verte. J'ai pleuré et quelque chose était entré en moi, Cédric. Cette chose-là n'était pas Branham. C'est cette chose-là qui m'a toujours gardé jusqu'aujourd'hui. À ne pas tomber avec les femmes et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Les adorateurs de Branham, nous voyons comment ils vivent. Nous voyons. Mais moi, cette chose qui est entrée en moi, c'est un peu comme nous le disons. Ceux qui vivent en Europe, ils le savent. Vous êtes ici en Afrique du Sud, vous le savez aussi. Quand vous conduisez, vous avez besoin de regarder au panneau. Si vous dites que je ne vais pas regarder au panneau pour voir la direction, vous allez vous perdre. William Branham est pour nous le panneau qui nous montre la direction finale. Christ. Dire que non, j'arrive au panneau et je m'arrête, c'est que tu n'es pas encore arrivé à destination. Mais regarder le panneau pour que tu puisses aller à la destination, ça c'est ce qu'il faut faire. Les panneaux vous amènent à la chose essentielle. Et le message de William Branham est venu magnifier Jésus-Christ. Et nous avons vu ce Jésus être magnifié dans sa chair. Nous l'avons vu. Pas seulement guérir les malades, mais discerner le pensée des cœurs. Qui est l'un
l'une des choses a donc s'attacher directement au ministère du Fils de l'homme. Nous l'avons vu dans sa vie. Et c'est à cause de cela que nous, maintenant, Sarah, nous pouvons maintenant avoir un fils à porter. C'est à cause de cette visitation-là. Parce que Jésus a crié même en disant, « Oh Jérusalem, Jérusalem, si vous saviez, comme une poule qui veut rassembler les poussins, mais néanmoins vous n'avez pas connu le jour de votre visitation. » Et Dieu a dit aux pharisiens, « Si vous dites que vous êtes des enfants d'Abraham, Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Quand est-ce qu'Abraham a vu le jour de Dieu ? » C'est Dieu a pris un homme, le corps de chair, il est venu visiter. Et ce corps de chair a mangé. Ce n'était pas un esprit, il a mangé. Mais on n'a pas vu là où Abraham a commencé à dire, bon, je commence à faire une église pour cet homme-là, que je commence à... Non, 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 Dieu a visité son peuple et point être l'adorable. Nous le disons, l'adorable, l'élevable, le louable, le glorifiable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je ne le dis pas pour faire plaisir à quelqu'un. Jamais adoré voilà. Mais même pas dans ma chambre. Vous avez écouté hier, j'ai prêché, j'ai mis ma main sur la Bible et j'ai dit si je l'ai déjà fait, que je ne puisse pas terminer la prédication que j'aimais. Mais aujourd'hui, on est. Je ne suis pas mort. Mais je ne mourrai pas parce que ce n'est pas vrai. Merci, vous venez d'écouter le pasteur Life. Il n'a jamais, il vient de le témoigner, et hier, il a même géré, il a mis sa main sur la Bible, disant qu'il n'a jamais adoré William Lauren Branham, même dans sa chambre. Il adore que le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de William Marion Branham. Alors, pasteur Life, le Foucault du Ciel, nous passons deuxième question de savoir, avant d'arriver là-bas, nous voulons d'abord savoir, est-ce que le cancer existe-t-il dans le message ? À vous, quelques citations qui approuvent le cancer. Le cancer existe bel et bien dans le message, parce que quand nous voyons, il y a des frères qui disent le cancer n'existe pas, et les concerts patati patata, patata patati, il y a même quelqu'un qui a juré au nom de son Dieu à lui, qui est William Aaron Branham, que le concert n'existe pas et tout. Mais non, attendez, le concert existe bel et bien dans le message de William Aaron Branham. Nous avons quelques citations ici, des frères Branham, donc je voudrais les lire pour les frères. Quelques trucs ici, observant son étoile, prêché samedi 11 4,59, paragraphe 3, frère Branham dit, demain après-midi, ici au temple, mon sujet sera celui, soyez certains de Dieu. Et après ce service de demain, nous allons distribuer le cadre de prière pour une ligne de prière ordinaire de mes soirées. Les jeunes gens vont distribuer le cadre juste après le service de demain après-midi. Le dimanche soir, il y aura un concert ici au temple. Par conséquent, ce serait difficile de distribuer le cadre de prière en ce moment-là. Alors, tous ceux qui désirent, donc il y aura des frères dans le concert. Donc, on ne peut pas distribuer le cadre pendant le concert. Donc, ça existe. Un, deux, l'histoire de ma vie. Paragraphe 19, prêché en 1959, le 19-4, il dit, et maintenant ce soir les services commenceront, je pense qu'ils ont dit, le concert commencera à 18h30. Et maintenant, si vous vous suivez à la radio, venez donc écouter cela, ce sera très magnifique, ça l'est toujours. Deux, trois, j'en ai ici tout un chapelet, hein, des citations, un concert, au commencement il n'en était pas ici, prêché le 5-4-59, paragraphe 3, vers le bas, il dit, mais je crois qu'on aura ce soir ici au temple une sorte de concert, cela couvrira tous les temps, et les cartes seront donc distribuées immédiatement après ce service-là. On aura ce soir un concert ici au temple, sur Branham Tabernacle. Non, mais frère Branham le dit, là où il était parti prêcher. Ok, ok. Le concert existe, et frère Branham indique même aux frères de venir écouter, comme ça a toujours été merveilleux de l'écouter. Alors, merci, pasteur. Alors, si le concert existe dans le message, est-ce que c'est aussi en ordre avec la parole de faire payer les gens pour entrer dans le concert? Et déjà, on voit d'entrée, il faut payer si c'est peut-être $50 pour entrer. Est-ce que c'est en ordre avec la parole? Écoutez, Cédric, tout d'abord, le concert existe bien et bien dans le message de William Branham, mais allons un peu du temps de frère Branham lui-même. Il prêchait ce qu'on appelle les déjeuners des hommes d'affaires du plein évangile. Et pour entrer dans ces services-là, on payait de l'argent. Je ne fais pas l'apologie des jeunes frères pour demander chaque fois de l'argent dans les concerts. D'ailleurs, je crois qu'hier, vous m'avez vu, quand le pasteur junior parlait, je veux seulement que vous mettiez quelque chose pour m'aider. Si vous étiez dans la salle, vous m'avez vu me mettre debout, aller lui parler à l'oreille. Je lui ai dit, mais ceux qui n'ont pas, ils peuvent aussi venir entrer, il n'y a pas de souci. Il a dit, oui, tout le monde aussi peut entrer. Tout. C'est moi qui ai parlé. Donc, frère Branham dit que ces billets-là, le chemin du retour, prêché les 23-11-62 vers le bas, ici dit,
Le frère qui a les tickets vient de me dire qu'il faut acheter les billets ce soir pour prévoir suffisamment d'espace de cette réunion-là. Parce qu'il y a d'autres citations là où il dit achetez les billets pour que vous puissiez prendre votre déjeuner pendant qu'il y aura les services. Mais il y a d'autres citations, il dit c'est pour avoir assez d'espace. Mon cher ami, l'évangile, on ne peut pas le vendre. Mais l'évangélisation demande de l'argent. Oui, bien sûr. Mais ceux qui n'ont pas de l'argent pour entrer dans ces délicats. Attends, attends. Il faut que nous allions un peu lentement. Là. Je sais que tu es derrière ton temps et tout, mais allons un peu lentement. Je vais te lire quelques petites citations ici. Hein. Tu vas voir que nous sommes très loin. La persévérance prêchée, les 13-1-63, paragraphe 3. Frère Branham dit, je vais retrouver le frère Green, un frère Green qui a chanté très bien. Frère Branham dit, est-ce que l'autre jour, là, chez les hommes d'affaires, ou quelque chose comme cela, il a intitulé, le frère chanté. On ne l'a pas encore enregistré. Je lui ai dit, enregistrez que je sois le premier client. Acheter la bande d'un frère qui a chanté. Frère Branham va être le premier client pour acheter la bande. Nous, l'Afrique, on est habitués à ne pas acheter. Savez-vous que les bandes et les brochures que nous avons ici en Europe, nous achetons ça. Mais ici, la voix de Dieu nous donne ça gratuitement. Parce que nous sommes pauvres. Ça se comprend. Plus que ça, une deuxième citation d'ordre des personnages, paragraphe 37. Frère Branham dit aussi la même chose. Faites ça dans une cassette, comme ça, moi, je vais acheter. Mais ce que je veux vraiment plus insister, c'est cette citation ici. C'est très important. Dans la prédication de ce moment, prêché le 16-7-60, Frère Branham parle ici des bandes que lui-même il vendait de ses prédications. Écoutez sa pensée. Il dit, j'ai mené une enquête sur les jeunes gens, je pense qu'elles vont environ $2, les bandes de Frère Branham, et demi ou quelque chose comme ça. Il gagne environ 40 peut-être 50 cents par bande. Ils achètent les meilleures bandes, la marque Scotch. Ils font des bandes de meilleure qualité. S'ils mettent un prix élevé sur cela, je leur dirai aussitôt, ne vendez plus les bandes. Non, messieurs. Eh bien, ils doivent avoir quelque chose pour les frais de manutention. En effet, on abîme beaucoup de bandes et tout, vous voyez, ils doivent vivre. L'un d'eux est marié et ainsi, non, ils doivent vivre. Ils ont droit de faire un petit bénéfice sur cela. Et si nous, on essayait de faire un truc comme ça, là, qu'un frère qui n'a pas de travail à l'église, prenez les bandes, vendez, mettez un petit bénéfice pour nourrir ta famille, ce serait un problème. Cela n'est pas l'apologie de faire chaque concert pour vendre. Ce n'est pas l'apologie de faire les CD vendre. Mais néanmoins, que nos frères apprennent quand même à soutenir l'œuvre de Dieu. Oui, merci, pasteur Lef. Mais chanter, c'est aussi évangéliser, ça. Bien sûr. Si nous voulons évangéliser, pour que les gens que nous voulons évangéliser, pour entrer dans le concert, doit c'est un prétexte, selon le message de William Branham. Le concert est un prétexte pour pouvoir évangéliser. Mais il faut payer pour entrer. Attends, on fait le concert. Les gens viennent pour écouter, il faut. Ils n'ont pas dans leur tête l'idée qu'on va prêcher. Hein? Vous étiez là, il y a des gens. Donc quand ils attendaient, il faut qu'on ne venait pas, tout. Les autres commençaient à partir. Donc, mais malgré qu'on prêchait, alors qu'est-ce qu'il faut faire? On prend Frère Branham dit, le festival de musique. Ce sont juste des appâts pour attraper quelqu'un. Il faut qu'on va chanter ce soir. Ça sera terrible et tout, comme on a vu hier. Que les gens qui étaient même dehors étaient plus nombreux que ceux qui étaient dans la salle. Et beaucoup sont partis à la maison parce qu'on commençait à s'étouffer à l'intérieur de la salle. Ils viennent écouter du faux. Derrière cela, nous nous projetons. Parce que nous avons le souci de gagner des âmes. Papa, nous gagnons les âmes. Et tous les moyens sont bons pour gagner une âme à Christ. Et si je vais donner conseil aux jeunes gens qui chantent. Moi, tous les concerts que j'ai toujours fait, tout. Si je peux avoir au moins 99% des concerts que j'ai fait, chaque fois, il y a toujours une prédication. Regardez concert de Paris 1. Vous allez voir des gens en train de soulever les brochures. On a partagé les brochures. Le pasteur Arthur Moussaka a prêché. Paris 2, il a parlé. Montargis, il a prêché. À Londres, un prédicateur a essayé de parler. Moi-même, n'en parlons pas de toutes les campagnes que je tiens, ça termine toujours par des concerts. C'est un prétexte pour nous.
Mais ce qui n'est pas bien, un concert où les gens viennent seulement danser derrière, nous n'arrivons. Vous savez, même dans les concerts de Paris 1, il y a des gens qui jouent les tam-tams, les ceci. Aujourd'hui, ils sont dans les messages. Ils ont cru. Ils sont dans les messages. Celui qui joue les tam-tams, là, il y a d'autres qui jouent des trucs. Ils sont aujourd'hui des frères du message. Et quand ils ont écouté le message qui a été prêché là-bas. Donc nous disons aux jeunes qui viennent actuellement de ne pas seulement être là. Moi, d'ailleurs, c'est gênant. Moi, je me gêne beaucoup. Je me gêne beaucoup. Les derniers concerts que j'ai fait au stade Tata Raphaël, où je voulais que ce soit gratuit. Mais mes frères ont compris. Parce que c'est Gino qui nous a aidés. On a demandé seulement que tous les frères achètent deux Gino. C'était pour eux, d'ailleurs. C'était comme un déjeuner des hommes d'affaires. Ils ont bu et 40 000 personnes étaient dans le stade. Voilà. Ok, merci Pasteur Life. Alors, nous voulons savoir pourquoi les chanteurs du message, beaucoup finissent toujours par devenir prédicateurs. On dit que c'est moi qui a tracé la voie à cette chose-là. C'est du Foko qui a abîmé. On dit j'ai abîmé. Et tu dis qu'être un chanteur veut dire directement avoir un ministère, Pasteur Life. Non, c'est pas ça. C'est pas vrai. Vous savez, Frère Bernard parle d'un frère Temple. Il dit notre frère Temple a un don de chanter. Il cherchait la voie, comment servir Dieu. Il dit il a trouvé cette voie dans la chanson. Et le frère Temple, je crois que ce que tu peux faire de mieux, c'est de chanter. Point très. Donc nous disons aussi aux uns qui sont des Temple, de ne pas chercher à prêcher. Parce que pour prêcher, il faut avoir un appel. Il faut avoir un appel. Il faut que Dieu t'appelle. Et ce que beaucoup de gens ne savent pas de ma vie, l'Ifoko. Les gens pensent que j'ai commencé à chanter avant de prêcher. Ce que les gens ne savent pas, j'ai commencé à prêcher avant de chanter. C'est-à-dire, vous avez commencé d'abord avec la prédication. Bien sûr. Et après. J'ai commencé à prêcher dans les années 87. Mais pourquoi nous avoir appris tout ce que vous avez commencé? Vous avez commencé la musique. Mais maintenant, je vous parle de l'histoire de ma vie. Il y a un pasteur qui s'appelle Mbabu Bruno. Il est dans les maillons bilés à Boma. Voilà la première personne qui m'a laissé prêcher. Deuxième personne, c'est le pasteur Mouzoum et Claude à Maluku. Moi là que vous voyez. Et ma première prédication était la symphonie de Dieu. La symphonie. Donc, ça, c'est des choses que les gens ne savent pas. Les autres, il y a même un frère qui m'avait dit, un pentecôtiste. Depuis que tu es devenu pasteur, tu ne chantes pas. Les gens ne savent pas que je suis pasteur depuis 91 que je suis pasteur. Et ils viennent le voir actuellement, c'est ma 2016-17. Oh non, tu ne fais pas sortir les albums parce que tu es devenu pasteur. Non, c'est depuis longtemps que je suis pasteur. Mais on n'a jamais voulu être là. Vous voyez, je suis pasteur, je suis. Il y avait même des conventions, on partait. On dit, frère, il faut viens seulement chanter. Je ne prêche pas. Je n'en fais aucun problème. Je ne cherche pas les m'as-tu vu. Et même beaucoup de gens croyaient que quand je disais je suis pasteur, j'avais une petite église. Mais c'est plus tard quand les gens voient aujourd'hui dans des vidéos une grande église. Oh, mais finalement, donc le jeune homme est sérieux. Non, on est sérieux. Mais qu'est-ce qui pourrait être la cause qu'aujourd'hui beaucoup de musiciens dans le message finissent toujours par devenir des prédicateurs, selon vous? La cause? Oui. Moi, je ne peux pas connaître la cause. Est-ce qu'ils ont un appel? Est-ce qu'ils n'ont pas d'appel? Bon, ça c'est eux. Moi, pour ce qui est de moi, Dieu m'a appelé à prêcher. C'est dès qu'il y a quelque chose dans lequel je me sens bien, ça brûle en moi, c'est de parler de Dieu, c'est de chanter pour lui. Mais en dépit de cela, je voulais quand même que les gens comprennent. Ce n'est pas incompatible. Prêcher et chanter, ce n'est pas incompatible. Est-ce que vous savez que David... Je vais lire Frère Branham quelque part ici. Il nous parle de David. Il dit que David était un psalmiste et il était aussi prophète. Et David tenait la guitare, il pouvait aussi tenir la lance, hein? Il pouvait aussi tenir l'épée pour couper la tête. Donc, mais ce qui est beaucoup plus grand, c'est notre frère Neville. Frère Neville. Frère Branham dit ici dans l'Arche, un type de Christ, paragraphe 31. Après être, on m'a dit que Frère Neville n'avait pas été prévenu pour qu'on annonce à la radio. Je suivais l'émission. Combien suivent l'émission radio diffusée? Je vous assure que les chants
Ces chants sont sublimes et la prédication est un peu plus au-dessus de cela. Ainsi, ça a été vraiment un bon message. L'avez-vous vu, frère Branham? Savez-vous que le petit frère de Wesley, Charles Wesley, c'est lui qui a composé tous les grands cantiques que nous avons aujourd'hui dans le chant des victoires. Beaucoup de gens, ils disent seulement qu'il était un chanteur. Mais ils ne savent pas qu'il a été ordonné en même temps que son frère. C'était un pasteur. Moi, j'ai même un titre de sa prédication. Hein? Charles Wesley, il a prêché à Oxford. À l'université d'Oxford, il a prêché. C'était un pasteur et un chanteur. Il a composé des grands cantiques. En dépit de cela, Cédric, pour aller rapidement et terminer, vous connaissez le frère Caps? Oui, frère Caps. Frère Branham, quand il a vu, il dit, « Oh, Caps, c'est un grand prédicateur. » Hein? Mais ce même Caps-là, quand on a fait l'ordre dans l'église, c'est lui qu'on a mis conducteur de chant dans le Branham Tabernacle. C'est terrible. Et si je me pose la question sur nous autres là, on pouvait être là, pasteur, hein? Pastologie, vestologie, cravatologie. On dit maintenant, toi, à partir d'aujourd'hui, tu deviens conducteur de chant. C'est comme si on m'a réduit, on m'a fait quoi? Et d'ailleurs, Branham dit dans l'ordre dans l'église qu'un conducteur de chant ne doit pas se comporter comme un prédicateur. Donc, un prédicateur dans lequel on lui dit de ne pas se comporter comme un prédicateur, mais conducteur de chant. Donc, c'est on peut être chantre, on peut aussi détenir un ministère. Mais nous donnons aussi conseil aux jeunes gens. Tout celui qui chante n'est pas appelé à prêcher. Il faut baquiller cet amalgame-là. Comme Branham a dit à Fred Temple, toi, reste seulement dans la chanson et ne va pas ailleurs. Nous disons aussi aux autres. Moi, j'ai béni le Seigneur parce que, tu vois, moi aussi, nous tous, on se posait des questions, que ce soit pour être précis sur notre jeune frère Junior Tibassou. Il fallait quand même que je vienne. Et ce que j'ai vu hier, j'ai béni le Seigneur. Comment quelqu'un, s'il n'y avait que de l'aventure, aller rentrer chez les Zimbabwéens, les Malawiens, les ceci, des gens, c'est-à-dire, et cette jeune fille Zoulouse qui a donné son témoignage, dérangée par des démons de village et tout, et tout, et tout, mais il a écouté la parole l'a rendu libre. Il dit, je me sens bien. Et il m'a présenté bien Branham, je connais qui est Branham aujourd'hui, j'ai l'équilibre. Et il appelle même son pasteur un lion. Non. C'est-à-dire, pour être pasteur, faut, même si on est chante, mais pour être un pasteur... Il faut avoir un appel. Et l'appel en question, pour terminer, il y a trois choses qui vont dans un appel. Oui. Trois choses. Frère Branham dit, ce sont ces trois choses qui ont été dans Paul, et ce sont les trois choses qu'on a appliquées sur tous les autres messagers qui viennent, et qui doivent aussi s'être appliquées dans nous autres qui prêchons. Quelles sont ces trois choses? Un, l'attachement profond à la parole. On ne doit pas venir raconter ses propres pensées, hein, ou courir sans un message. Il faut s'attacher à la parole. Un. Et surtout la parole révélée de son temps. Deux. Avoir le fruit visible du ministère. C'est-à-dire, quand tu prêches, là, il faut que nous aussi qui sommes assis, que le témoignage divin vienne de nos cœurs pour dire que celui-là, il a quelque chose de Dieu. Comme nous n'avons pas le rhume et tout-même, pour qu'on aille checker les gens. Mais Dieu a mis quand même le rhume et tout-même dans chacun de nous. Trois, le fruit du surnaturel dans sa vie. Attachement à la parole, et le fruit visible du ministère, et le surnaturel qui l'accompagne. Voilà les trois choses. Merci, pasteur Life. Vous venez d'écouter. Pour aujourd'hui, suite au temps, nous terminons par ici. Pasteur Life, je ne sais pas si vous avez un mot de la fin. Un mot de la fin, c'est celui seulement de dire à nos frères, moi, j'ai écouté les frères pentecôtistes, c'est une mauvaise information qu'on vous a dit. Mais cela n'empêche, si quelqu'un dit que je n'écouterai plus, il faut qu'il est libre. Il est libre de faire ce qu'il veut. Si ce même Dieu qui vous avait convaincu de m'écouter, aujourd'hui il a changé pour dire qu'il ne faut plus l'écouter, ah, ça c'est lui. Et même moi, je crois le message de William Branham. Et pour ça, je ne le trahirai jamais. Alors jamais et jamais. Jamais et jamais. Je préfère encore
souffrir par route comme ça, aller dehors, que de prêcher ce message tel que Dieu l'a donné à son serviteur William Branham. Et ça, je le ferai. Donc à tous ces frères qu'on leur a dit des choses, il le fait. Il y a même des commentaires. Tu mens. Tu as dit Dieu au féminin. Donc toi, tu es déjà un magicien avec votre Branham là. Vous avez même un problème de français. Un problème de français. Dieu au féminin est différent du féminin de Dieu. Hein? Jésus a terminé sa course. Jésus a terminé sa course. Mais c'est différent d'adorer un homme. Hein? Mais, oh mon Dieu, il y a une course. On s'arrête là, la course est terminée. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on ne peut plus faire le mouvement pour aller chez soi à la maison? C'est terrible. Donc le français, ça crée un problème. Que j'ai vu Jésus-Christ dans l'homme appelé William Monroe Branham. Ah, ça veut dire prisonnier de répéter ce que le prophète a porté dans cet acte. Voilà. Merci, pasteur Life. Je rappelle qu'à la présentation, c'était donc moi, votre frère Cédric Lukusa Branham. Encore une fois, on est ensemble.